Radio, l'IFE. C'est eux. Simbilo, ouais. Bonjour, ici Malou Bavoir sur Alter Radio. Tambala Weto. Alter Radio, l'idée frais. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui pour la journée sous Alter Radio 106.1. Information pour nal pi loin. Pour demain ka bèl. Oui, fòk demain bèl. Pou de Meka Bel, se yon emisyon sou Développement Durable nan Alter Radio. Ah, Développement Durable, sa vle di. Nou pral pale de yon seri de kesyon tankou. Environnement, agrikilti, agro-ekoloji, chanjman klimatik, epi, fason moun dwe viv. Eksaktman, se pa ded menanmen a Groupe Medi Alternatif ki pote emisyon sa apon nou. Pou de Meka Bel, se depi jodi a wii pou nou travay pou nou. Émission pour demain ka bèl, passé chaque vendredi matin à 7h sur antenne Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Belle salutation pour nous toutes amis auditrices, auditeurs, pour demain ka bèl et auditrices, auditeurs Alter Radio côté pour demain ka bèl passé chaque semaine tant qu'on nous connaît. Alors Étienne, belle salutation pour vous. Et bonjour Colette. Bonjour James, bonjour tout auditeur, auditrice Alter Radio yo, et tout moun tou en particulier ki reme tande pou de Meka Bel. Et c'est émission par là qui entre la ka aujourd'hui. Ah. Oui, c'est pou de Meka Bel, et titre la nou vle pou de Meka Bel, n'ap chèche bel bagay pou peyi nou, même si n'ap viv nan de situasyon ki ekstremement difisil, ki pa fè ke nou kontan, avèk de environnement tou ki pa fè nou wè bote peyi nou. Par exemple, gon a fè de fatra ki a fè moun eksplikasyon tout patou nan la ri Port-au-Prince, men nan la ri an pil vil e menm nan ti katye nan seksyon komunal yo. Kesyon deche a, li fè pati tout de ODD yo jesyon deche. Oui, kesyon deche, ke se swa deche plastik, ke se swa deche cuisine, kelke swa deche a, li fè pati ODD. Le nou di ODD o sonje, se objektif devlopman durable. Ja. Sa ve di fon ta gen kom objektif pou nou ap viv nou environman ki sen kote nou kon nou bien jere de chen. Pou demen ka bel. Bel. Alors nou komanse pale nou de sa, se paske nou pale pale de deche e nan emisyon avek yon jen ki li menm tal vizite dechaj Twitye. Twitye se nan zon la plen kote yo jete fatra e li pale di nou sa li wey. Se li menm ki te fè, ti travay sa, e li vwe l pou nou, son jen ki trez enterese nan kesyon la natu, li fè gadinaj miel, etc. Nou vle pale de Mikael Ligandi. Nou tout di salu Mikael, e nou di l mèsi, e pou ti enregistreman sa, li te vwe pou nou. Se sa solman nou gen nan emisyon, jodi a, Etienne? Jodi a, Colette, nap gen pou nou pale tout, surtout du rapor JEC la. Se yon moun ki an gèr, moun yo pa plus pale de sa. Mèm presse internasyonal la pa pale de rapor sa ki soti 28 fevriye. Ki sa JEC la? JEC se le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Donc sa vle di depi presque 3 emisyon a pale de chanjman klimatik. Nou pral ankon pale de chanjman klimatik nan emisyon sa. Nou pral pale de chanjman klimatik nan emisyon sa. Eh bien nou di nou e bon ekoute paske nou wè nou gen plus de tibay pou nou nan pou de Meka Bel. Oui, fok demè bel. Alter Radio. Pou demè ka bel. Etienne, ki koto je te fatre la kayou? Ah bon, bon la kayou nou lan delman, se meri a ki pase pran e fatre a ou, men bakon sa lal fa avel.
Ah, ou pas contre qui côté la jeter fatra les ramasser la caillou. Et gain des côtés citoyens mobilisés pour connaître, c'est pas seulement retirer fatra la caillou, vous dire oh, devant la caillou moi belle, la rime propre et pour pas connaître qui ça les ramasser fatra la caillou, ça y a le fait avec qui côté à le déposer. Nous connaissons des moun qui marchent avec bouette qui ramasser fatra pour moun, yo paye yo chaque mois et puis après ça leur arrive puis devant jeune fatra de ramasser la caillou. Ça veut dire le retirer, il fait devant la caille propre, la salle devant l'autre caille. Ah, Golem Pétionville, maintenant, bon, non bureau, et puis mon monsieur qui vient avec un petit camionnette plein sachet, qui côté de Vingetel, Bobby Roua, côté où tu décides de faire un déchet et fatra, alors que le sol prend la caille des mouns qui étaient dans la zone. Alors, c'est une façon pour nous dire nous, question fatra, son bail qui est très important, comment le gérer, c'est pas seulement ouais fatra ou retirer la caille, mais ou pas vivre seulement la caillou, vivre dans la ria. Et l'on sorti très souvent, ouais, fatra dans la ria, puis sorti la caillou au monde. Alors, un jeune qui est là, Michael Ligandi, qui est même très intéressé par question de la nature, environnement, assainissement, il a visité Truitier. Truitier, c'est un déchet côté toute mairie, pratiquement dans Port-au-Prince. Il va la déposer, fatra, ramasser la caillou ou bien ramasser dans la rue. N'a pas évité nous suivre et ti reportage ça les gardi t'est fait pour nous et après ça on a continué commenter ensemble avec Étienne. Christine, nous t'étions te visiter décharge Truitier la semaine passée, pas vrai? C'est vrai. Mais qui ça décharge là même? Décharge là c'est un côté réservé pour yo empiler fatra. Oh, monsieur, dit qu'on est à Haïti gon décharge. Parlez-moi de lui non. Truitier c'est unique site de décharge qui gagne dans zone métropolitaine. Il est situé dans la commune Cité Soleil. C'est dans l'année 80 que j'ai choisi zone ça pour placer décharge là. Moi j'ai toujours qu'on attendait et puis li yon paquet histoire sur décharge Truitier. Mais on te paraît tellement invraisemblable pour moi que ça t'a poussé à le visiter décharge là. Là, nous avons allé dans des décharges Truitier. Nous avons passé par une route secondaire. Mais nous avons eu une vue sur la route principale qui menait à des charges là. Et ça qui t'a attiré l'attention, c'est que le chauffeur camion pour Belio n'a pas même temps pour arriver dans des charges là, pour commencer à déverser fatra. Il a tout jeté la bonne route là. Donc, route principal qui mène à décharge Truitier, c'est dans qu'on tracé dans mitan deux piles fatra. Et le pire, c'est que gen moun qui était bon route ça. Une fois que moi et ma papa nous arrivé à destination, on t'ai pensé que nous t'ap capable entrer et visiter, filmer sans problème. Et pourtant, c'est pas aussi simple. Automatiquement nous descend machine là, il y a deux nèg qui viennent aborder nous. Next ça yo c'est des travailleurs informels que yon a décharge là. Yo habillé yon façon et puis yo marré figure pour capable protéger tête yo. Yo té un petit genre réticent pour permettre nous visiter et puis filmer, mais surtout filmer parce que yo dit moun qu'on a vinn prendre image yo et pour y aller faire quoi avec eux, pour y aller saluer, etc., etc. Qui donc, au début, ils étaient très réticents. Mais après ça, nous venons parler avec eux, nous expliquer ça, nous besoin faire. Et puis, ils ont dit, pas un problème. Ils ont même proposé nous pour faire nous visiter. Et puis, ils ont dit, pas un problème, n'a fait nous visiter, n'a permettre nous filmer. Après ça, nous montons sur une sorte de montagne déchets qui permettent nous dominer des charges là. Premier ça m'a été remarqué, c'est que des charges là saturées. Et le moment de ça qui fait des charges là saturées, je dis que c'est parce que pas de moyens pour gérer les matériels, ils toujours tombé en panne, ça qui fait des charges là, ils plein et que ils pas supposé recevoir des charges encore. Mais ça qui était
plus manqué, c'est que m'était effectivement gen moun qui était en dedans d'échange là. Ce qui veut dire que gen moun qui était côté qui destiné pour recevoir pile fatra nou yo. Lèm gade sou net la yore le moun sa yo, les habitants de la décharge de Twitier. Ça inimaginable pour un moun rete en don décharge. C'est là le dormi, c'est là le lever, c'est là li manger, c'est là le boire de l'eau. En plus, l'eau servi a, c'est yon de l'eau prendre un puits. Yo prendre un puits et devinez qui boit. Jet coup. Jete matière fécale yo, c'est nan décharge Twitier. Donc, moun sa yo exposé à toutes sortes de maladies dans une zone qui, selon sa yo di nou, pas gen hôpital. Pour yo survivre, habitant Twitier yo avec un série de moun nan l'autre zone qu'on a utilisé des charges là. Tant que là qu'on a cherché un série de déchets plastiques et autres, tant que bouteille en plastique pour capable vendre entreprise yo. Et puis cuillère en plastique tout. Là au fin joine, yo lavil, après ça yo revenni. En plus que c'est un décharge qui mal géré, Twitier c'est un côté qui gagne en situation humanitaire qui extrêmement grave. Et moi je pense que instance concernée supposé agir parce que en sérieux moun ça pas vivre. Alors c'était témoignage Michael Ligardi, un jeune et qui vraiment aimait la nature, qui aimait bête, qui aimait miel, qui aimait plantes et il t'a ba nous témoignage et parler l'elle t'a visité Twitier. L'en a regardé toute ça ce dia là, nous gagnons ODD qui c'est ODD 6 là qui t'a supposé répondre avec toutes questions. Sauf que dans ODD 6 là gagne de l'eau, même j'ai pas parlé de l'eau. Mais au début, ça c'est de l'eau avec assainissement. Mais il était chita sous question assainissement, il regardait à faire déchets. Qui côté nous, comment nous gérer et déchets nous. Déchets là c'est dernier côté, déchets à tomber, mais la dit nous sont catastrophique dans Jean Port-au-Prince à gérer et déchets. Et une capable dit tout collègue, on t'a pas dit manquer étude, on t'a pas dit pas gain étude qui fait tout ça. Et faculté d'agronomie dans Port-au-Prince, je pense que c'est un sujet, travail, mémoire, pile ou ap fait, sous question déchets. Donc, pour faculté d'agronomie, qu'est-ce qu'il y a, faculté d'agronomie, université épiscopale là, bref, deux sacs dans Port-au-Prince, parce que vous voulez me faire travailler en pile dans Port-au-Prince, nous pensons que c'était qu'il y a des travaux comme ça qui fait, des recherches qui fait, et proposer des solutions à la question, problème fatra. Il y a quelques solutions proposées, mais pas jamais mettre en application, oui. Parce que c'est l'État, c'est la mairie, la commune qui peut faire travail ça. Et dans des pays, c'est un gros dossier que lié et question gestion des déchets, c'est des bagailles sur un magistrat ou pas gérer bien ou qui doit pas jamais passer dans l'élection. Oui. Mais en Haïti, on a marché pile sous fatra yo et puis magistrat après lui. En tout cas, nous remercions Michael en pile et pour participation sa contribution ça, li pote yon l'autre fois encore dans l'émission, li te pote déjà yon sous miel et nous espérons c'est pas dernier à tant que li promet nous de temps en temps des petits sujets très très intéressants li te ka partager avec nous. Nous remercions et nous souhaitons que l'autre jeune tout qui capable faire ça participer dans l'émission pour nous faire demain en belle, pour nous parler de la nature, pour nous débattre qui doit changer dans pays a pour environnement côté n'a vivre là son bagage qui sain, qui propre, qui bien géré et qui permettent vraiment nous gagner un développement qui a duré. Oui, donc un développement qui est durable. Qui est durable, c'est ça. Pour demain Kabel. Pour demain Kabel. Pour demain Kabel. Alter Radio. Etienne, nous sommes parlé de ODD 6 là qui sous question assainissement et mais nan jou sa yo nous t'ai parlé en pile tout de changement climatique moi qui fait partie tout de objectif développement durable yo. Question changement climatique là gagne un tout qui parlait de ça et c'est 13 là.
qui dit des mesures pour lutter contre le changement climatique. Ça, c'est ODD 13, Objectif oui. Développement Durable. Ou dit, dans le commencement, il y a un rapport qui fait sortir, il y a un groupe qui est le GIEC qui fait sortir un rapport sur comment le changement climatique a marché, a évolué. Qui sont qu'a dit nous de rapport ça? Alors, Colette, n'a dit GIEC fait publier un rapport. N'a pas rappelé GIEC, c'est groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Donc, si bien comprendre, rapport, il y a un petit goutte par petit goutte. Oui, donc, il y a un morceau par morceau, tant que vous dites, donc, il y a un premier, un deuxième, oui, et un troisième qui fait sortir là, dans fin mois de février. Le 8 février. Et c'est lui qui a parlé de adaptation. Comment pour nous adapter, nous, qui ça pour nous faire pour adapter nous à changement, nous, qu'a fait dans le climat. Et rapport, ça, c'est un rapport qui gagne 3675 pages. En pile parole. En pile, en pile, en pile. Mais ben nous avons un rapport. Et dans le rapport, ça, que nous avons capable de passer sous lui, nous pouvons bien l'île, nous parler de forêt qui a capable de déforester. C'est un bon exemple amazonien, c'est couper pied bois honnête pour faire l'autre bagaille. Donc, vous voyez que la terre, pas seulement Haïti, nous connaissons, nous avons en pile déforestation, mais c'est sous la terre, en pile côté, il y a crasé pied bois. Pour mettre agriculture. Pour mettre agriculture. Et deuxième bagage, il parlait de rapport encore, c'est monter niveau la mer là. Et nous rappelons, nous j'ai parlé de une augmentation à 1,5 degré, s'il fait, mais qui dégale qu'a gagné jusqu'à 2050. Ça veut dire de l'eau la mer à vine plus haut, l'imonter. La monter plus haut. La monter. Et en 2050, la monter plus haut, toujours selon prévision. Et troisième bagage encore, il parlait de rapport, c'est question mortalité qui liée à mauvaise qualité l'air là. Donc ça veut dire l'air mon a respiré d'après rapport vin pi mal, pi pas bon et gen moun ki mouri à cause de mauvais l'air ou respiré. Et gen selon certains experts même dans COVID-19 là c'est une question problème changement climatique là même. Il va parler de ça non? Même les gen études qu'a fait sur ça pour confirmer ou infirmer mais COVID-19 là ou montrer vraiment parce que c'est série de espèces, série de problèmes qui viennent gen qui permettent ou viennent gen maladie ça. Donc, je pensais que COVID-19, là, qui tient un paquet de monde sous la terre, il a tout rapport avec. Question changement climatique. Changement climatique, avait dit mauvais l'air. L'air, ça, mon a respiré, qui fait que l'air, mon a un petit problème cœur, un petit problème respiration, il a allé plus vite. Oui. Parce que il a pas un bon l'air, bon et oxygène pour le respirer. Et là, encore, on a pris un bagage qui concerne Haïti en pile, c'est surtout pêche à récolte. Qui s'acrive, qui sa rapport a dit pour ouf, la pêche? Ou vin bakaj vin série de poissons, et puis le poisson vin ap mouri. Et surtout dans la récolte là tout, vin vin de très 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 mauvais récolte. Ça veut dire, moun ki plante tan kou paysan nou yo, yo pa jwenn bon récolte. Et non seulement paysan nou pa jwenn bon récolte, mais moun tout qui t'a pratiqué agriculture qui émet un paquet de gaz à effet de serre dans l'environnement, qui te konn gen de très très bon rendement, qu'on y a là, la limite, ça a rapidement commencé à diminuer. Moun qui fait ça, ça te fait révolution verte, qui utilise un pile machine, bagaille, engrais, pour faire agriculture. Oui. Même yo, même tout, rendement, yo te conjoint, les plantés commencent à baisser. Yo pas jeune ni encore. Yo pas jeune ni encore. Et commence à avoir une grosse question sur qui ça a fait pour augmenter rendement. Est-ce qu'il a causé plus de problèmes ou bien est-ce qu'il a adapté yo à la question du changement climatique? Donc, rapport JXA, troisième mot sur le rapport, ou dim qui parlait de adaptation, hein. Il n'y a pas de bonnes nouvelles pour nous du tout sous façon et climat a évolué. Yeah. Et c'est là-dedans, et dans chapitre ça même, il a proposé à agroécologie, agroforesterie, agriculture familiale comme solution pour adapter à la question du changement climatique. Donc, dans même rapport ça, il y a des propositions de ça nous avons fait. Oui. Si nous ne pouvons pas continuer à avoir mauvais résultats, ça y a. Mauvais record de surtout. Mauvais record de surtout. Donc, qui ça y a dit? Parce que vous avez dit, vous avez parlé de adaptation dans le rapport là. Dernier mot sur ça qui intéresse, nous parler de adaptation à changement climatique là. Donc, ben nous, quelques mesures pour nous arriver à adapter nous. Que gros rapport mondial ça, parce que il concerne tout pays, c'est pas pour Haïti seulement rapport ça fait. Oui, les dit nous, c'est encadré petit paysan yo. Oui, mais il concerne tout le monde, c'est pas pour Haïti seulement. Il concerne tout le monde, mais on connaît surtout pays en développement yo, yo plus victimes de conséquences changement climatique là.
ça veut dire pays en développement c'est nous-mêmes qui gagne moins scope, nous gagne moins point pour adapter et dans même rapport ça tout le monde pour série de gros pays mettez cob à disposition petit pays pour adapter à question hein. Et moi Haïti fait partie de 10 pays qui plus vulnérables. Oui, nous c'est 4e pays. Ah bon? À changement climatique là. Mm-hmm. Oui. Et de l'autre côté encore dans changement climatique là, parler de l'eau avec infrastructure qui menacée. Ah bon. Et au capable ouais, il y a plus cyclone, plus inondation et les cyclones inondation qui essayer de infrastructure tout qui menacé, de l'eau qui crasé, vent qui crasé, tout ça dans rapport. Et une bagarre encore, ça a une solution, pas mal de solution non, ça a une remarque que nous même nous fait planète nous qui était bleu. Tout indicateur qu'on a dans le rapport, c'est rouge. Ah bon? Oui. Et si vous regardez dans le rapport, ça, j'ai l'impression que tête. Oui, mais ça, ça veut dire que la planète est bleue. C'est la meilleure. Ça veut dire pas. Comme si l'autre qu'on a regardé la terre en l'air, oui. Monde qui monte en l'air, qui est allé dans l'espace, ça veut dire que la planète est tout bleue. Tout bleu. Qu'on a comment il est? Tout rouge. Tout rouge. On va pour dire nous, agis vite, pas de temps encore. Oh. Pas de temps encore. Pas de la chauffer. Oui, pas de temps encore. Et comment on a commencé? C'est dans le gouvernement, nous, dans le monde qui parle de l'élection, pour nous faire pression sur nous pour le changement climatique en place dans le programme. Yo. Donc, premier bail, vous dites, vous avez comme proposition pour adaptation, c'est qui ça? Ça, il est nous dans l'agriculture avec pêche là. Vous parlez de agroécologie, renforcer l'agriculture paysanne, l'agriculture familiale là. Pour série de pays même qui t'a fait l'autre type d'agriculture dit au rentrer dans agroécologie ou bien agroforesterie et puis bon pour yo et communauté pêche la même yo mandé nous pour nous renforcer série de bagages mais qui durable. Alors si me vient comprendre même gros rapport ça yo proposition yo fait ça yo fait comme recommandation c'est pas à rentrer dans gros agriculture avec en pile machine en pile engrais. Oui. J'en sais de moun en Haïti qu'on a prévu ça, qu'on a peut-être même des journalistes, c'est ça, ouais, des gros plantations, t'as vu, ouais, ça, dans la télévision, dans le livre, dans quelques pays. Mais c'est plutôt, dans l'agriculture, dans les gens paysans, pour faire l'agriculture, là, renforcer l'aider le faire mieux, puis bien, au lieu qu'on fourre l'engrèche, dans une bonne bagaille, machine, etc. Vous dites, mais c'est nous avons piqué, on dit, en encourager l'agriculture qui respectait l'environnement et qui cabaille bon rendement tout. Ça veut dire qu'il faut que tu respectes l'environnement et qui va être bon rendement. Oui, bien sûr. Voilà. Et deuxièmement, et agroécologie, je te présente tout comme une stratégie qui t'a permis de nous respecter l'environnement en Haïti et puis nous venir un bon rendement, d'être nous pas craser les paysans quand même, qui c'est groupe monde, plus groupe monde qui a mené une activité, qui travaille dans le pays. C'est plus qu'un million de monde qui vivent de l'agriculture. Oui. Donc, si nous avons pression pour nous faire dans la question politique agricole, le gouvernement a écrit, pour nous avons demandé qui place agroécologie dans la politique agricole ça, et qui place tout paysan dans la politique agricole ça. Et pourquoi pas même consulter le groupement paysan même dans la politique agricole ça, même en façon pour même représenter dans ça. Donc, ça, on a parlé du rapport GIEC, la recommandation expert fait sous question. Donc, c'est un rapport qui est très important et je pense que les gens qui n'ont pouvoir ou bien qui travaille avec paysan ta loue konnen bagay ça mais nouvelle yo pas bon dit tout non pour la terre non et gongren bagay yo dit nous gay espoir toujours mais agis vite. Etienne, moi supposé gros autobre ministère environnement moi c'est dans ministère environnement te gay une structure même qui occupé de question changement climatique là. Oui, gon direction changement climatique en ministère environnement. Pourquoi c'est pas grand monde qui était responsable qui ministre? Oui, James Cadet. Qui ministre environnement. Bon, je suppose Haïti lira pour ça et tout. Et je me souviens, c'était en 2019. Je t'ai présenté effort Haïti doit le faire pour gagner un plan d'adaptation à changement climatique. Là, Gomba y aurait les PANA, semble presque tout pays gagne un plan. Oui. Et plan national, national d'adaptation. PNA plutôt et pas PANA. PNA, non c'est ça, PANA. PANA le relais. Alors, il y a pays qui relaient le PNA, il y a pays qui relaient le PANA, il y a pays qui relaient le PAN, ça va le dépendre. Ok. En tout cas, et yo te fait, yo te dit Haïti gon plan et que nous-mêmes nous pas qu'au vraiment, ouais, qui action qu'a fait pour mettre en application plan ça. Mais te gon étude qui était faite pour Haïti en 2000. Et 6, qui publie en 2007, côté où tu dis que département qui plus
vulnérables qui plus en danger par rapport à changement qu'a fait dans climat, dans bouleversement dans climat. Je te dis c'est département sud, je te dis c'est l'ouest, c'est nord-ouest, c'est la Tibonite, c'est le nord avec sud-est. C'est tout pays. Oui. Mais je te cite département ça yo et qui puis en danger. Et yo dit groupe moun qui plus en danger, qui a plus souffri de mauvaises conséquences et changement climatique là, yo dit c'est paysan yo, agriculteur yo, moun ka fa agriculture. Yo dit tout zone côtière. Oui. Ça veut dire moun ka vive dans zone côte yo et zone côtière tout physiquement et puis moun ka vive là et puis côté qui gagne de l'eau. Oui. Et ressources en eau tout yo ouais, yo dit secteur gagne moun gagne et secteur tout qui puis vulnérable. Par exemple sous oui. Napou yo qui pour ba moun de l'eau etc. Et yo dit bon m'te dit moun yo c'est agriculteur c'est moun qui dans zone qui fragile côté qui rete bon rivière qui rete oui. Bon en mer bon ravine dans flamone oui. Nous ça passé dans tremblement de terre l'autre jour ou pas quel glissement de terre un paysan qui t'a changé bête yo qui t'a dans jardin qui pas tourné parce que des boulons a été à fait te tomber sur yo donc ces zones les zones fragiles conseil de flamone qui a pic en pile et puis et c'est des zones et dangereuses et yo dit tout ville et gros ville dans pays yo et Kankou Port-au-Prince au Cap au Caï Gonaïve Saint-Marc donc c'est ville ça yo secteur ça yo groupe moun ça yo avec département ça yo considéré pour question bouleverse climatique la changement climatique là qui plus en danger et te gen une série de secteurs ça veut dire des strates secteurs côté l'état ta doit intervenu pour adapter pays à changement qu'a fait dans climat de manière à ce pour réduire vulnérabilité groupe moun sa yo ak zone sa yo et te gen 3 yo te mette koune yo te vin ajoute ton 4e premier an c'est aménager bassin versant yo et puis faire conservation de sol ba konnen si le rejoindre sa table dit à l'heure là comme JEC la proposé a deuxième nan yo dit c'est gérer zone côte yo. OK, zone côtière, zone côtière, faut que l'état gère. Troisièmement, faut que li valoriser et puis conserver ressources naturelles. Faut le ba ou valeur, faut le conserver, tant que l'en parler de ressources naturelles, nous forêt yo, nous ressources yo, nous rivière yo, tout côté qui gagne de l'eau yo, etc. Et quatrième yo vin ajouter, mais c'était trois ça yo, c'est préserver et puis renforcer question sécurité alimentaire parce que l'autre population pas gagne manger qui n'a insécurité alimentaire l'a crasé encore davantage environnement donc ça c'est des éléments de l'idée qui est sorti dans plan pas Haïti pour l'adapter à changement climatique nous pas connaître si quelque chose qui fait dans domaine ça parce que c'est pas on bail tellement yo autant de parler en Haïti de lui même le ministère environnement gagne au département, alors que nous avons frappé sérieusement en bas changement climatique. Oui. Pour demain, ka belle. Fok demain, belle. Alter Radio. Eh bien Colette, c'est toute ça nous gain pour Mounlo dans émission pour demain Kabel jodi a. Nous font belle brassée et n'a pas tout monde rendez-vous pour semaine prochaine Colette. Oui, n'a pas cassé rendez-vous pour semaine prochaine et même Jean avec Michael si nous gain quelque petite idée, quelque petite émission, quelque témoignage, pas oublier vous là pour demain Kabel. Au revoir tout le monde, à la prochaine. Pour demain Kabel. Oui, fuck demain belle. Pour demain Kabel, c'est une émission sur développement durable dans Alter Radio. Ah, développement durable, ça veut dire nous allons parler d'une série de questions tant coup environnement, agriculture, agroécologie, changement climatique et puis façon monde de vivre. Exactement, c'est pas d'aide mais nommé à groupe média alternatif qui portait émission ça pour nous.
pou Demain Kabel. Se depi jodi a, oui, pou nou travay pou nou. Alter Radio. Emisyon pou Demain Kabel. Passe chak vendredi matin a 7h sou antenne Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Vos oreilles sont précieuses. 106.1 FM. Parce que votre cerveau a besoin de s'enrichir. Alter Radio. Vous vous connectez à Alter Radio sur Facebook, TuneIn, AudioNow ou sur alterradio.org. Alter Radio, une autre idée de la radio. Haïti dans les médias. Merci d'écouter Alter Radio sur le 106.1 FM et sur le www.alterradio.org. Voici les principaux titres dans les médias. La Banque de développement caraïbéenne accorde une subvention de 45 millions de dollars à Haïti jusqu'en 2026. Haïti Sécurité, les policiers en service interdits de porter des cagoules lors des interventions sur la voie publique. Tanis Philomé, policier haïtien recherché dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de Moïse, arrêté en République dominicaine. Les bandits des gradés de la PNH. Sur RHI News, la Banque de développement caraïbéenne a mis de côté une subvention de montant de 45 millions de dollars américains pour Haïti sur la période 2022 à 2026, a déclaré Isaac Salomon, vice-président des opérations de la CDB au groupe consultatif ad hoc du Conseil économique et social des Nations Unies. Isaac Salomon a souligné que la banque cherchera à renforcer sa capacité pour une plus grande adaptabilité et efficacité compte tenu des défis distincts d'Haïti. La Direction générale de la Police nationale d'Haïti annonce un train de mesures pour éviter que des civils armés continuent d'utiliser l'uniforme de l'institution policière pour commettre des actes malhonnêtes, rapporte Van Beff Info. En ce sens, le haut commandement de la PNH a informé dans un communiqué daté du 25 février que ces mesures ont été adoptées lors d'une rencontre tenue le 22 février dernier. Il s'agit entre autres de l'interdiction faite aux policiers de porter des cagoules ou tout autre accessoire pouvant altérer l'uniforme, de l'obligation d'utiliser des véhicules munis de plaques d'immatriculation de police à l'avant et à l'arrière, frappés de l'emblème de la PNH sur le capot et marqués des numéros de plaques et de l'écriteau police aux côtés latéraux lors des interventions sur la voie publique. Tanis Philomé, un ancien policier haïtien, a été appréhendé par les brigades de l'armée dominicaine le mercredi 2 mars 2022, signale la Gazette Haïti. Il fait l'objet d'une enquête dans le cadre de l'assassinat de l'ancien président haïtien Jovenel Moïse. C'est le journal La Listine Diario qui a rapporté l'information. Les autorités dominicaines soutiennent que sous certification légale, le détenu a été remis à l'inspecteur divisionnaire du commissariat de Wanamat, Mésidora Romuald, et à l'agent du service départemental de la police judiciaire d'Haïti du Cap-Haïtien, Emmanuel Joseph. Les bandits tuent des gradés de la PNH, constate le Nouvelliste. Le commissaire principal Robert Plaisimont, issu de la première promotion de la police nationale d'Haïti et affecté à la direction de l'administration pénitentiaire, a été assassiné non loin de chez lui à Tabar. André Edouane, le mardi 1er mars 2022, a confié au Nouvelliste le porte-parole de la PNH, l'inspecteur Gary Desrosiers. Fin janvier 2022, le commissaire de police Jean Ismaël Auguste récupère un peu après 19h sa compagne Clotilde Villus et leur fille, non loin du calvaire, à l'entrée de Croix des Bouquets. Pendant toute la journée, il y avait eu des accrochages entre la PNH et le gang des 400 Marozo. Vers la Tremblay, où habite cette famille, leur véhicule est arrosé de balles.